Eh bien, salut, salut à tous. C'est Mario Denis Jérôme. Aujourd'hui, alors voilà la suite, l'autre vidéo du coup aujourd'hui pour cette vidéo Coupe de France du coup voilà finale de la Coupe de France qui a lieu ce soir du coup à 21h. Donc voilà qui oppose donc le SCO d'Angers face au PSG tout simplement. Une finale plutôt assez incroyable quand même parce que le SCO d'Angers est quand même en finale, ce qui est quand même pas mal, évidemment, le PSG, lui, qui joue pratiquement toutes les finales. Donc voilà, en France. Donc là, franchement, j'ai choisi, puisque on est dans une finale, je choisis donc l'équipe que je veux pour les finales. J'ai pris le SCO d'Angers parce que vous savez que je n'aime pas trop, à vrai dire, le PSG. Je suis pas trop fan du PSG. Alors, évidemment, pour garder quand même du suspense, et puisque c'est l'équipe quand même sur le papier qui est la plus faible, j'ai choisi donc le SCO d'Angers, qui me paraît donc voilà une équipe qui est quand même que ça va, j'apprécie mieux que le PSG en tout cas. Donc voilà, d'ailleurs je pense que beaucoup vont me dire, ah t'aimes pas le PSG? Non, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui aiment pas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous supportez pour cette finale. Donc voilà. Finale donc que je refais en virtuel. Donc il restera ensuite la Coupe d'Espagne qui a lieu. Le match a lieu à 21h30. Donc je le ferai en dernier. Donc voilà, en tout cas c'est parti pour ce match. Je suis en mode 6 minutes le match et en mode difficile. Ça ne change pas en tout cas. Donc on va bien voir ce que ça a donné dans ce virtuel là où je donc pris le SCO d'Angers. Attention, perte de balle! Oh le poteau! Première grosse occasion pour le SCO d'Angers. Oh là 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 là, ils ont été un peu trop sereins là, le PSG, sur cette action. Oh là 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 là, c'était une grosse occasion là. Le poteau, trappe était battu. Et encore bien écarté avec Bourillon sur le côté gauche. Qui va pouvoir centrer. C'est intéressant, mais il y a Thiago Silva qui repousse. André Di Maria. Avec Ben Arfa. Ben Arfa qui en est titulaire là, dans le virtuel. Assez étonnant puisqu'on sait que Ben Arfa n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Hein. Allez, avec Sounou. Ah mince, dommage. Voilà, Di Maria une nouvelle fois à Thiago Motta. Oh attention, c'était un bon ballon ça pour Ben Arfa. Oh, c'est joué intelligemment avec Javier Pastore. Oh là là, c'est incroyable! C'est superbe. Et voilà le jeu du PSG qui est aussi le même en virtuel. On privilégie les passes, superbe. Regardez là, hop, ouais, je suis battu là, ma défense était complètement dépassée. Et c'est Ben Arfa qui est à la finition. Un but à zéro, ouverture du score, du coup, après en plus ce poteau là en début de match, qui, si on l'avait marqué, aurait pu changer les choses. Allez, avec Sounou. Donc là, j'ai pas mis la composition officielle qui aura lieu ce soir, mais bon, j'ai mis les joueurs probables qui pourraient être titulaires. Parce que j'ai pas encore la compo, moi. De disponible, enfin elle doit être disponible, mais je l'ai pas trouvé. Pastore, attention, encore un décalage. Pastore qui a fait une passe décisive et qui va donner ce ballon pour Cavani. La parade! Oh, Thiago Motta, attention! Oh là là, il aurait pu frapper. Ouh là là, attention, parce que là, on se fait dominer après avoir eu cette occasion dès la quatrième. Là, on se fait dominer. Ah, ça c'est un bon ballon quand même. Sounou qui va pouvoir remettre sur Keïté au fond de faune. Ah, purée, là, j'aurais pas dû partir dans cette direction. Petit cafouillage, Thiago Silva qui s'en sort du coup avec le ballon Cavani. Ben Arfa. Ah, attention, 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 Thiago Motta. Ah, purée, le passement de jambe, j'ai pas osé tacler. Oh, mais la parade, non, c'est pas possible. Et c'est Pastore qui inscrit le but du 2 à 0, passeur et buteur maintenant. Bon, bah là, j'avoue que j'ai pas eu de chance. Le gardien qui l'avait arrêté pourtant. Ah, là, la dure, 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 dure. Après, il y avait des risques, hein. J'ai pris le SCO d'Angers, mais bon, voilà, je préférais. Parce qu'après, si je prenais le PSG aussi, je pense que ça aurait été aussi lourd le score. Mais là, 2-0, il va falloir réagir. Hein. Qui était au fond de faune. Purée, allez, il faudrait au moins mettre un but avant la mi-temps. Ah, purée, c'est pas vrai. Point de récupération. Allez, on s'accroche, c'est pas vrai. Ben Arfa, c'est bien récupéré. Santa Maria. C'est bien joué. Ah, oh, la faute. Coup franc. Coup franc intéressant. Allez, Sounou. Il faut le mettre. Allez. Ah, purée, ça tape dans le mur. Pas assez levé.
Attention, ça part en contre avec Javier Pastore. Ah, ça c'était prévisible. Oh là là, purée Cavani, faut l'arrêter. Oh là, c'est pas vrai. Marquinhos, oh là là. Ouf, heureusement que c'était imprécis cette passe. Là, franchement, on subit, on subit. Ouais, dégagement intéressant. Allez, la rapidité. Ah, dommage. Ah, oh, purée, faute en plus. Pas de temps additionnel, 2-0. Ça va sans doute siffler. Ouais, ça va siffler. C'est la mi-temps, les amis. Et Angers mal mené pour l'instant de ce virtuel. On est mal mené. 2-0, 2 buts à 0. Ben Arfa et Pastore qui font un match exceptionnel pour l'instant dans le virtuel. Bon, on va repartir comme ça. On va pas faire de changement pour l'instant. Allez, on va reprendre cette seconde mi-temps. Mais je pense que les changements vont être au rendez-vous un peu après. En cette seconde mi-temps, parce que là, va falloir marquer, hein, pour se redonner confiance. Edinson Cavani. Ben Arfa, purée, c'est bien joué. Ah, purée, le passement de jambe qui. Ah, c'est pas possible, 3-0. Di Maria, purée, mais ah, le passement de jambe qui écarte le défenseur, tu sais. Ah là 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 là. On reprend pas du tout bien cette seconde mi-temps. À la possession, on a du mal à la voir aussi, mais avec le PSG, c'est sûr que c'est compliqué. Ah, c'est quand même très bien décalé, purée, récupération. Allez, il faut mettre du pressing, purée. Oh, dégagement un peu en panique là. Ah là là, c'est encore plus compliqué du coup. Ça va être chaud. Franchement, faudrait revenir à 3-3, au moins. Purée, perte de balle. Allez, change de joueur. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon joystick, là? Dessus, allez. Oh, mais d'où il fait ça? Mais il s'est cru chez mamie ou quoi, lui? Mais non. Mais non, mais trébuche pas aussi. Et purée, il s'en fout. Allez, bon dégagement, Bouillon. Sous nous. Allez, allez, qui était au fond de faune. Faut aller la chercher, celle-là. Ah, oh, purée, dégage. Bon, on va faire un changement parce que là, ça craint. Un peu le pâté. Tac, on va faire ça. Toko et Kambi. Qui était au fond de faune est un peu en galère là. On va faire entrer. Oui, ça. Tac. Voilà. Ouais, parce que là, faut faire quelque chose. Allez, le centre. Sounou, il est bon de la tête. Purée, pas assez puissant. Ah oui, je sais qu'il est bon de la tête, il a quand même 81 de tête, mais pas assez puissant. On a dépassé l'heure de jeu, franchement. Ah purée, j'avais pas vu Thiago Silva. Ah ouais, c'est récupéré quand même. Oh non, sérieux. Ah purée. Ah, bonne récupération ou pas. Allez, ça c'est bien. Il n'y a personne là. Il n'y a personne qui est susceptible de récupérer. Hein. Purée, encore purée. Il est fou lui. Purée, allez, allez, allez. Faut y aller, Bourillon. On va tout choper dû, il va falloir faire notre troisième changement parce que là, on est en galère de ouf. Toc. Je pense que là, le match est plié, à mon avis. Il faudrait vraiment un miracle. On va quand même essayer de réduire la marque, purée, mais cette passe, c'est quoi ça? Tahit. Oui, il sort le grand jeu. Tahit, il vient de rentrer, purée. Corner, corner. Tahit, très bonne entrée. Corner, allez. Tahit, justement. Ah non, c'est pas Tahit, mais ça revient. Oui, c'est bon. C'est au fond. Toko Ekambi. Réduction du score. 2 buts, 3 buts à 1. Ah, c'est quand même être chaud. On a eu un peu de chance là-dessus aussi. 3-1, est-ce qu'on a moyen de mettre directement le 3-2 et voir le 3-3 après? Allez, on va. Ouais, récupération. Oh oui, ça profite. Non! Waouh, c'est incroyable! La remontée, oui, ça, le but du 3-2. C'est tout simplement incroyable.
Il rate son geste technique, ensuite perd le ballon, mais récupère derrière et parfait 3-2. Est-ce que les gens, on a peut-être un espoir? Il reste pas beaucoup de temps, franchement, faut leur récupérer le ballon. Est-ce que vous, supporters d'Angers qui regardez cette vidéo, s'il y en a, vous allez y croire? Allez, il faut y croire. Faut tout donner et récupérer vite et être efficace ensuite. Ah oui, c'est très bien joué ça. Oui, ça. Oui, ça. Oh, c'est incroyable! C'est pas possible! J'y croyais pas. Incroyable. Tout m'est venu à la fin. L'inspiration m'est venue. Soudain, j'ai eu une éclaircie là, tout d'un coup. Un rayon de soleil a traversé la fenêtre et a brillé sur ma tablette et... Oh, c'était un signe. Non, je... 2 minutes de temps additionnel, quand même doublé, c'est incroyable. Trois partout, trois partout. Mais qui l'aurait cru? C'est pas possible. Je n'en reviens pas moi-même. Comment, où ai-je puisé cette force pour remonter à 3-3? Oh, franchement, je faisais pas exprès pourtant de perdre, de prendre 3 buts avant. Attention, il va falloir tenir quand même. Ce serait bête sinon de prendre quand même. Oh, c'est incroyable. On va décrocher prolongation. Prolongation, les gens. Ah, bah alors là, c'est incroyable. J'en reviens pas. On a fait fort, on a fait fort. Bon, par contre, le truc, c'est qu'on a fait 3 changements. Enfin, bon, je pense qu'ils ont été assez bénéfiques puisque Wissa, qui est rentré, a mis un doublé. C'est incroyable. Toko Ekambi, ouais, qui a marqué. Et Tahit aussi, qui a fait une bonne entrée aussi, qui a donné un peu plus de tonus. Bon, on va reprendre cette seconde, enfin, ces premières mi-temps de prolongation. Et puis, on va bien voir. Il va falloir essayer voilà, de garder cette motivation et d'éviter aussi peut-être la séance de tir au but. Qui peut être terrible. Allez, allez, ah non, purée, il faut s'imposer là. Lucas Moura, le centre, Cavani. Oh là là, quelle chance! Il a raté son contrôle, heureusement. Il a frappé de son mauvais pied ensuite. Ouh, heureusement. Heureusement, ça aurait pu être sinon très dangereux. C'est bien ça. Oh non, purée, non, 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 non. Ça, c'est pas, c'est moins bien. Traoré, ouais, c'est bien joué ça. Bonne anticipation qu'on a eue. Ouais, c'est bien écarté avec Toko Ekambi qui va mettre pour Sounou peut-être. Non, Thiago Silva et la faute purée. Maxwell qui joue son dernier match ce soir aussi avec le PSG, je tiens à le préciser. Maxwell qui aura quand même été l'un des meilleurs latéraux au monde pour moi. Il aura vraiment fait un travail de ouf au PSG. Très très bon. Hein. Ce Maxwell. Allez, avec Martinez. Ah, purée. Par contre, on manque de rapidité. C'est ça qui nous fait défaut aussi dans cette équipe du SCO d'Angers. C'est la rapidité. Allez, le centre. Oui, il parvient par sur Bourrillon, mais non. Matuidi qui a fait son entrée. Ça, c'est la mi-temps. Toujours 3-3, les amis. Toujours 3-3. Attention, on s'approche beaucoup des tirs au but là. Et nos joueurs commencent à être très fatigués. Je pense que les joueurs aussi, mais là. Il va falloir tenir, tenir, parce que pour l'instant, on n'a pas, c'est pas long, hein, franchement, une mi-temps de prolongation. Mais bon, est-ce qu'on arriverait à faire un exploit? Oh, dommage, ça aurait pu être beau. Aurier qui perd au mauvais endroit le ballon! C'est pas possible, c'était le but de peut-être la victoire. Oh là là, quel arrêt. Attention, parce que là, c'est bien, on conserve et on a peut-être moyen de se créer une occasion intéressante avec Wissa une nouvelle fois. Oh, la parade encore une fois de Kevin Trapp. Et là, c'est la panique touche ou corner, je ne sais pas. Ben Arfa sort, Kurzawa rentre, corner. Allez, corner, peut-être qu'il va peut-être nous profiter. Avec Traoré à la retombée. Oh, ça c'était chaud, c'était chaud. Attention, parce que là, ça part en contre. Et allez, la rapidité. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Ça manque de rapidité. Ah purée, ils écartent les vilains. Les vilains, les vilains. Allez, faut aller dessus. Kurzawa, faut le presser. Parce que si ça centre. Oh, c'est pas possible! Cavani. Le but du 4-3. Et oui, je savais qu'on allait le regretter sur la frappe de Trapp. Qu'on a mis à Trapp. En plus, c'est la fin. Va falloir qu'on marque à tout prix là-dessus. Oh là 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 là. Toko Ekambi, purée perte de balle, c'est pas possible, récupère. C'est bien encore, c'est bien ça, avec Sounou, Sounou, Sounou dans la surface. Oh, c'est incroyable, le 4-4! Pas la voiture, hein.
Voilà, c'était un petit jeu de mots. Oh, ah, mais c'est incroyable! On revient de loin. Franchement, on revient de loin. C'est incroyable. Oh là là, mais sous nous. Oh, oh j'ai. Eh, il avait intérêt à réussir, mais c'est incroyable. Dribbler, passer entre les deux défenseurs. Oh! Et voilà, dernier changement. Chez Rodriguez, ça va servir au tir au but. Et c'est les tirs au but, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible, je vous le dis, dans un match réel? 4 partout. Tir au but. Oh là là, alors on va sélectionner les tireurs parce qu'il va falloir très bien jouer ça. Vachement, oh, la suspense, le suspense, le suspense. Alors. Donc oui, comme on va faire frapper sous nous avant. Toi, y a pas des bons tireurs. Hein. Tu, Traoré. Tac, allez, on va rester comme ça de toute façon. Ok, allez, c'est parti. Passons à ces tirs au but, les amis. Et voilà les buteurs aussi qu'on voit. Et comme Ekambi, Wissa, Sounou, et Pastore, Ben Arfa, Di Maria, Cavani, côté PSG. Attention, on commence. On commence cette séance de tirs au but. Oh, c'est pas possible! Ça commence mal. L'arrêt. Oh, purée, bien frappé. Allez, faut le mettre celui-là. C'est bon. Oh là là, on a raté un, on a raté un. Allez, il faut l'arrêter celui-là de Kurzawa. Oh oui, ça c'est ça. Une belle perception là de la part du gardien. Allez, allez, il va petit filet. Ouais, bien joué, bien joué. Allez, suite Cavani, il faut l'arrêter. Allez, il la frappe encore là. Oh non, j'étais dessus, c'est pas possible. Ouais, c'est bien joué, encore une fois, serein, du même côté. Et l'entraîneur qui donne ses consignes, qui va frapper, qui va frapper. Alors, c'est Ressé Rodriguez. Attention. Oh, purée, bien joué. C'est au milieu. Allez, à nous, faut le mettre. Allez, on va tirer là cette fois. Oh, bien joué! Bien joué, bien joué, bien joué. Panelka, réussite. Qui va frapper là? C'est Thiago Motta. Allez, attention. Oh, c'est quoi ce Beans? Oh, c'est arrêté! C'est la victoire! C'est la victoire! Victoire de Angers au tir au but. Attendez que je regarde. C'est sublime. Victoire d'Angers, du coup. Et je vais vous laisser parce que là, ma tablette est presque remplie, comme vous avez vu. Alors, sur ce, likez la vidéo, sinon elle va s'arrêter. Et si ça vous a plu. Donc voilà, incroyable victoire d'Angers. On a arrêté ce but à la fin. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Likez si ça vous a plu. Et commentez pour me dire quelle équipe vous supportez. Sur ce, c'était incroyable. Et à bientôt.